je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques jours, Lily Rose a rendu visite à sa sœur secrète. En fait, c'est vraiment sa sœur, mais on lui avait jamais parlé de ça, parce que maintenant elle vit dans une autre famille, et voilà, c'est une autre histoire. Sauf qu'aujourd'hui, elle a décidé de lui rendre visite de nouveau, sauf que les nouveaux parents de cette sœur, ils ne veulent absolument pas que Lily Rose la contacte. Du coup, comment je vais faire, moi? Enfin bref, je vous laisse regarder ça. Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Allez, Esteban, je peux aller voir ma sœur secrète, j'en ai marre, j'ai le droit de rien faire. Non, je t'ai déjà dit, tu ne retourneras pas la voir, t'as déjà fait une grosse bêtise. En allant la voir une première fois, je te laisserai pas y aller une deuxième fois. En plus, j'ai plein de trucs à faire cet après-midi, donc t'as pas intérêt à me causer des problèmes encore une fois. Vous êtes vraiment trop méchant, vous me laissez jamais faire ce que je veux. Comment ça on est trop méchant? Tu crois que ça me fait plaisir, moi? Non, c'est juste que cette sœur secrète, tu n'en parles plus, tu ne penses plus à la voir, un point, c'est tout. Ah, mais pourquoi ça vous dérange autant cette histoire? Après tout, c'est juste ma sœur. Bon, tu veux que je t'explique ce qui s'est vraiment passé avec cette sœur secrète, toute l'histoire depuis le début, pourquoi tu l'as jamais trop vue, pourquoi elle est partie de chez nous? Je prends un énorme risque en te disant ça, mais... Ah oui, s'il te plaît, raconte-moi, je rêve de savoir cette histoire depuis très longtemps. C'est bon, t'enflamme pas, hein, c'est pas une histoire de fou, on n'est pas dans un film de je sais pas quoi. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Allez, dépêche-toi, je veux tout savoir, là. Bah, en fait, quand vous étiez petite, vous étiez insupportable. Vous arrêtez pas de crier, de faire le bazar partout, tout ça. Du coup, bah, les parents, ils se sont dit... On veut plus avoir autant d'enfants. On va... Voilà, quoi. Et c'est pour ça que vous avez mis ma petite sœur dans une autre famille. Bah, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai décidé, hein, voilà. Pff, de toute façon, maintenant, c'est des histoires passées, ça. Allez, laisse-moi tranquille maintenant, je t'ai tout expliqué. Tu peux retourner à tes occupations. C'est injuste, que tu le veuilles ou non, je vais partir à sa recherche. Non, reviens, Lily Rose. Allez, c'est parti, je vais aller chercher ma sœur secrète. Oh, bon sang, hein, elle est repartie avec son truc de sœur secrète, là. Maintenant, elle veut carrément aller la voir. Comment je vais faire pour la retenir? De toute façon, il est trop tard. Elle est déjà partie, je peux plus rien faire. Et si je préviens les parents, ça va être encore de ma faute ce qui s'est passé. Bon, c'est bon, je pense que je suis arrivée, je dois pas être très loin. Julia! Julia, où es-tu? Où es-tu? Bon, il faut que je trouve la maison exacte où elle habite, mais je m'en rappelle plus très bien. Julia, où es-tu? Julia! Si elle arrive à aller là-bas et à revoir sa sœur, les parents, les nouveaux parents de cette sœur, ils vont être encore plus en colère que la dernière fois. J'ose même pas imaginer, vu leur réaction de la dernière fois quand ils ont vu Lily Rose, si ça se reproduit cette fois. Ah! Ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête. Je vais inventer un gros mensonge de la famille que vous avez jamais vu de votre vie. Je vais appeler Lily Rose et je vais lui faire croire que, je sais pas, j'ai amené sa sœur ici et que maintenant, bah, elle va... Non, ça c'est un trop gros mensonge. Je vais juste lui dire qu'elle est venue nous rendre visite et elle va me croire, c'est sûr. Alors, le numéro de Lily Rose. Mais c'est bizarre. J'arrive à la localiser sur l'application. Mais elle est... Oh punaise, elle est quasiment à côté de la maison de sa sœur secrète. De toute façon, à mon avis, elle est tellement mauvaise en orientation qu'elle devrait pas la trouver. Bon, c'est pas grave. Je vais l'appeler. Allô? Je la trouve pas, c'est trop nul, je la trouverai jamais, j'ai fait tous ces kilomètres pour rien. Je sais plus quoi faire, j'ai pas envie de retourner à la maison, j'ai envie de revoir ma sœur. J'en ai marre. Attends, allô? Allô, Lily Rose? Esteban? Oui, c'est moi. Mais... Y a Julia à la maison, il y a ta sœur à la maison. Sérieux? Oui, elle est venue te rendre visite. Je reviens. Je les ai appelés. Je reviens tout de suite, sérieux? Allez, ciao. Trop bien. Oui, trop bien. Je vais enfin pouvoir la voir en vrai. Enfin, en vrai, pour la deuxième fois de ma vie. Wouhou! Je suis la plus heureuse! Il fait beau, il fait chaud dans mon cœur. Quand t'es là ma sœur. Il fait beau dans ma vie quand t'es là ma meilleure amie.
C'est bon, à mon avis, elle va arriver dans vraiment pas longtemps. Elle va jamais courir aussi vite que maintenant. Mais bon, quand elle va s'apercevoir que c'est un mensonge, je pense qu'elle va me bouder comme un gros boudoir. Esteban, Esteban, je suis rentrée, ça y est, je suis là. Bon, je crois qu'il est en haut. Allez, j'y vais. C'est bon, Esteban, je suis là. Alors, elle est où ma sœur? Ah, t'es là, te voilà. En fait, comment te dire? J'ai dit ça pour que tu reviennes. Comment ça? Oh non, mince. Elle l'a mal pris. J'espère qu'elle va pas se venger. J'en ai marre, je vais partir d'ici, je vais me venger. Je vais aller faire une cabane ou je sais pas quoi. Je vais prendre le matelas et je vais dormir dehors. Je m'en fiche. Allez, j'y vais. Bon allez, je vais m'installer ici. En plus aujourd'hui il fait bien chaud, donc je vais bien dormir. Allez hop, je mets la couverture. Bah, y'a trop de vent. Bon voilà, je mets la couverture et je vais bien dormir, j'en suis sûre. Bon, peut-être pas hyper confortablement, mais bon hein, c'est bien hein. Au moins ici il m'embêtera pas, il me mentira plus. Et je vais pouvoir faire mon... je vais pouvoir faire mon sang. Oui bien sûr. Bon, ici au moins il pourra plus me mentir et plus me chercher et plus me dire n'importe quoi. Je vais faire mon plan tranquille pour retrouver ma sœur enfin. Alors, c'est vrai, j'ai pas de papier, comment je vais pouvoir faire? Bon bah je vais réfléchir. Alors, comment je pourrais faire? Ah, c'est quoi ça? J'ai peur, je m'enfuis. Bon bah là les amis, je sais vraiment pas quoi faire. J'attends dans le couloir, j'ai pas d'idée. Lily Rose est partie et je sais pas ce qu'elle veut faire. Je pense qu'elle va vouloir se venger, mais bon, qu'est-ce qu'elle va faire? J'espère qu'elle va pas s'enfuir de la maison quand même. Oh, parce que d'habitude, elle aime bien faire ça quand même. Lily Rose, mais qu'est-ce que tu fais là? Reviens ici tout de suite. Non! Qu'est-ce que t'as? Mais je rêve, mais je dream. It's my dream. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais dormir ici. N'importe quoi. Tu m'as menti. De quoi? Je t'ai menti, mais c'était pour te faire revenir. Je t'expliquerai pourquoi. Il faut pas que tu te mêles de ces histoires. D'accord. Ça doit pas être nos histoires de se mêler de ça. Et tu dois abandonner le fait de la retrouver, ok? Bon d'accord, on rentre à la maison alors. En plus alors. T'as vraiment ramené un matelas ici. Mais oh, regarde, tu le fais traîner dans la terre. Ah. Mais même la couverture. Non mais... Mais t'es catastrophique. Bon les amis, franchement on va s'arrêter là. Vous avez vu assez de bêtises. Cliquez sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine, bye.